Ce 5 août, l'île de Saint-Barth a vibré au son des festivités données par Laetitia Hallyday. Pour célébrer les anniversaires de ses filles Jade et Joy, elle a sorti le grand jeu avec une soirée 100% Barbie. Le samedi 5 août, l'île de Saint-Barthélemy a été le théâtre d'une grande fête d'anniversaire. Celle des filles de Laetitia Hallyday, Jade et Joy. Et le clan n'a pas échappé à la tendance du moment depuis le lancement du film de Greta Gerwig avec Margot Robbie. Barbie. Si Laetitia Hallyday avait-elle opté pour une robe orange moulante et découpée au niveau des hanches, ses filles, elles, étaient bien dans le thème pour célébrer respectivement leurs 19 ans, que Jade a eus le 3 août, et 15 ans, que Joy a eus le 27 juillet. C.S.T. Yoda Roche. Ami de la famille, qui a dévoilé les tenues des deux stars de la soirée, sur Instagram. On voit sur cette photo Jade et Joy posées auprès de leur maman, rayonnante. Si l'aînée a opté pour une nuisette rose, avec sous-vêtements apparents, sa petite sœur Joy, elle, portait un bikini rose scintillant, et une mini-jupe en crochet, parfaitement dans la tendance de cet été. Les deux sœurs, transformées en Barbie Saint-Barth, affichent des sourires qui en disent long sur leur état lors de cette soirée réussie. Leurs célèbres invités, parmi lesquels Joa Lucanoa, le fils de Yannick et d'Isabelle Camus, ont pu assister à cette fête donnée par les Hallyday non pas dans leur villa mais au Enjoy Saint-Barth, un endroit qu'elle affectionne particulièrement. Et la déco ainsi que le menu de la soirée était 100% à l'effigie du film à succès de la poupée Mattel. Une soirée 100% Barbie lors de cet événement, qui a dû faire du bruit sur l'île, la compagne de Jalil Lesper avait laissé ses cheveux blonds lâchés et ondulés pour un effet naturel. Elle semblait des plus heureuses à l'idée de ravir ses deux filles, la prunelle de ses yeux. Jade et Joy ont largement profité de ce moment hors du temps. L'adolescente et la jeune fille de 19 ans ont été vues, grâce à une vidéo postée sur Instagram, en train de découper leur énorme gâteau d'anniversaire, rose bien sûr. Encore une fois, pour régaler ses filles, la veuve du taulier avait joué le jeu à fond.